rappelle que Sciences aussi travaille beaucoup sur la formation quantique, des travaux récents. Donc je passe tout de suite Madame Tracy de l'Université Mohamed V à voir la parole. Vous avez aussi que vous avez plutôt exposé vos contributions dans le domaine, qui sont d'ailleurs très variées, qui sont très intéressantes. Je vous félicite ainsi que le professeur Dan, bien sûr, le professeur Alamala pour ses jolis travaux, pour dire une chose comme ça. Mais je vais tout simplement peut-être vous demander, une fois que vous terminez la thèse, vous nous faites une petite présentation un peu sur la classification des environnements et un peu comment vous avez fait ça. C'est une question qui a été soulevée par les collègues qui m'ont précédé. Certainement, il y aura des commentaires pour les collègues qui vont suivre. Alors, je te félicite, je te tutoie parce que tu as passé un bon moment chez nous dans le laboratoire. Tu as travaillé dur et tout le monde reconnaît ça. Je remercie aussi les encadrants professeurs et les professeurs à Romana. Je te souhaite une très très bonne continuation. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup, professeur Sévi, professeur. Et je passe au professeur Nasser, qui est de l'université de Mozart. Je vous tiens à vous remercier chaleureusement pour son déplacement. C'est notre collègue, il vient de loin. Quelques remarques tout simplement par question. Sur la page 15 de votre esprit. Pédagogique très riche, il contient plein de choses, plein de choses.
chercheurs de m'avoir permis d'assister à cette séquence, de m'avoir cette occasion pour rencontrer nos amis qui viennent de loin. Donc c'est une très bonne occasion, ce sont des bons moments à partager avec eux. Donc ce sont des occasions avec, dans lesquelles on respire de la science. Donc je vous remercie beaucoup. Également, je remercie Abdallah Slaoui de son travail, de sa présentation qui a été bien faite. Elle était bien structurée, pédagogique. Donc elle a montré des qualités de très haut niveau. Et elle confirme aussi la qualité du travail qui a été réalisé sur le manuscrit. Donc, félicitations. Donc, je commence sur le fond, sur le côté fond, sur le texte. Donc, l'introduction nous a donné un schéma directeur ou bien une feuille de route de ce que vous avez fait. Et aussi, j'avais l'intention, quand j'ai commencé à lire l'introduction, je voulais m'arrêter à un certain moment, mais je ne pouvais pas, parce que je ressens toujours quelque chose qui m'a servi pour terminer, achever la lecture. Donc c'est un point fort de votre travail. Et j'ai appris beaucoup de choses à travers cette introduction, à travers vos chapitres. Et bien sûr, les félicitations orales du jury.